Ils ont échoué. Ils ont échoué, ceux qui pensaient que Castille n'allait pas se marier. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les sorciers qui sont là qui ne veulent pas chanter. Ils ont échoué. Ils sont malos, ils n'ont pas les ex. Les sorciers, les vampires qui sont là présents, non puissants de Jésus. Ils ont échoué. Oh, oui. Alléluia. Alléluia. Mon amen est faible. Je dis alléluia. Mon amen me dérange. Je ne sais pas si c'est ici ou ici, mais je vois un esprit de fourre. Tu es venu au mariage de Dieu pour faire les emporter. Au nom puissant de Jésus. On te connaît déjà dans toute la famille, tu es toujours avec nos sacs. Au nom de Jésus, ce comportement s'arrête en 2024. Amen. Excusez-moi. Quand tu arrives quelque part, la moindre chose, c'est de te présenter. Je me nomme, je me présente. Daddy Rigobelet, leader des églises qui croient au ciel. Amen. Oh, c'est fort. De temps en temps, l'esprit va parler. Hein? De temps en temps. Voilà, donc, à ce qu'elle ait pris chez moi, elle était chante dans mon église. Je suis venu. Tu dis, oh, tu, c'est toi qui prie là. Je suis venu pour vous dire les secrets, comment ils se sont rencontrés. Papa, ajoute la base. C'est trop aigu ici, là. Voilà. Une histoire commence toujours par un jour. Une histoire commence toujours par. Les Anglais disent one day. De temps en temps, I want English, one peu soin. Voilà, 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 voilà. Mais que nous n'osons pas l'anglais. Même si elle nous a balancé du Commonwealth, get it. Le jour que la nouvelle est tombée, une fidèle m'appelle. Allô, papa. J'ai dit oui, ma fille. On nous a levé du Commonwealth. Et? Mais on va faire comment? J'ai dit maman, même le poumon, on sait bien, on ne maîtrise pas, c'est l'anglais, comment maîtriser? Laisse, on trafique ça comme ça. Amen. Un jour, assis, oui, elle est en train de chanter, elle chanta, ah, il faut aller. Tu ne peux pas, elle est là sur le bébé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le jour là, c'était vendredi, moi-même j'avais la veste. Donc, en tant que pasteur, je viens, je prends le micro, je dis bien aimé, est-ce que tu peux contempler la gloire du Seigneur On n'a pas la même gloire du Seigneur à contempler. Vous savez de qui je parle. Il était assis dans la salle. Moi, je parle de la gloire d'en haut, mais lui, c'est ma chante qu'il est en train de regarder. Ah oui, vraiment, l'église, là, il y a la gloire. Non? À la fin du culte, il faut aller vers la paix. Il est timide. Vous-même, vous avez vu ça. Vous parlez là, c'était fort. Il est timide. Donc, il me voit. Je dis oui, ma. Fais ta chante. Je dis va toi-même. Il n'y a pas d'enfer. Vas-y. Va. Il arrive devant la paix. Et maintenant, il te réfléchit. Maman, en fait, j'ai dit papa, elle est chante. Chante. Aïe, ah, fallait pas dire ça. Tu écoutes comment ça monte. J'ai dit papa, elle est pour nous. Oh, yo. Il a oublié qu'on était à l'église. L'esprit de l'amour est monté en lui. Tu écoutes, c'est pas. Mourangouil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 
J'ai rencontré ma acide, elle a changé ma vie. En elle, j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai rencontrée, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme elle. L'émotion, ça me fait mal. En fait, je suis en train de penser à tous les ex d'Astrid. Ils ont perdu un bisou. Bon, c'est vrai que c'était du côté de l'homme, faut aussi aller du côté de la... J'ai dit, maman, Yaka, tu es ma grande soeur, Yaya, viens. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? C'est ta vie, tu vas donner ta vie à un homme comme ça, là. Elle a dit non, comme il a chanté pour moi, je vais aussi chanter pour lui. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit, maman, c'est ta vie, oh. Elle dit, toute ma vie, je vais lui donner toutes mes pensées, il est dirigé. Il est le seul homme qui me donne la joie. Il est le seul homme qui est beau pour moi. Mon Lili, mon Lili. T'as pas les mêmes chaloux. Pourquoi tu... parce que tu insistes que la SCG oublie ton compteur ce mois. Non, dis Jésus. Mais vous, je n'ai pas donné mes francs. Je suis le seul pasteur. Si tu veux le donner, le franc, lève même la main, je me déplace. Au moins, loin. C'est ça ou c'est pas ça? On est gouverné. Bon, on est gouverné par. Regarde s'ils sont là. C'est ça ou c'est pas ça? Il a envoyé les 12 apôtres le 30 juin. On connaît ça. Nous tous, on a vu le 30. Bon, nous, je sais qu'on se pose tous la question. Après le journal. Est-ce que Yaya Ulrich est toujours obligé d'amener les deux là? Il peut parler seul, mais les deux là, on dira, on est pire, un problème avec moi. Quand il commence, communiquer numéro 4, il y a toujours des à côté, la nerveux. Ah! Et souriez un peu! Donc, à cause de ça, comme c'est le mariage, moi-même aussi, j'ai fait mon article. Même j'ai fait mon équipe. Ils ne sont pas là, hein? Je n'avais pas le budget pour les louer. Oh, yo, voilà. Donc, je vais faire comme une liste en fourmi. Suivez, c'est important. Communiqué numéro 241-00-37-82-27. Je mets les barres comme je veux. C'est mon communiqué. Le chef de l'État, dans sa quête permanente du souci de la population, informe la population de la Nyanga et tout le reste du Gabon du décès de monsieur Séliba. En effet, ce monsieur a été accusé de haute trahison d'avoir retenu en captivité mademoiselle Astrid depuis des années. C'est un 27 décembre que monsieur Lilili, que je l'appelle affectionnellement, avec toute sa famille, sont venus faire un coup d'état pour épouser Astrid. À cet effet, quelques dissolutions ont été prises. Les hommes attrapent les cœurs, les femmes font sortir les mouchoirs. Dissolution numéro 1. Le code WhatsApp, Facebook, bancaire, TikTok et Messenger doivent être communiqués entre madame et monsieur. Qui n'est pas d'accord en prison? Oh, la vie est passée, tu insistes. Je te donne le code bancaire de monsieur. Qui n'est pas d'accord? En prison, interdiction après le mariage de tous les amis célibataires. Oh non, ma belle, alors va là-bas boire une bière avec ton autre beau-frère. Il n'y a plus de ça. Vous buvez en cage. Qui n'est pas d'accord? En prison. Voilà. On ne négocie plus. C'est comme ça. Et l'arrestation immédiate de tous les hommes pingues, chiches, avares, mauvais, peignes afro. Oh non, j'attends une entrée d'ici la proverbe gabonais. Il n'y a plus de ça. Qui n'est pas d'accord, hein? Voilà. On passe du côté des hommes. Les femmes attrapent les cœurs, les hommes sortent les mouchoirs. La dissolution et l'arrestation de toutes les copines qui viennent, on t'invite seul, tu viens avec 13 de tes copines dans la vie du paraître. Tu bois la 33, mais attends, moi la DSP. Il n'y a plus de ça. Qui n'est pas d'accord, hein? En prison. C'est bon. La dissolution et l'arrestation du maximum dit tontine. Non, c'est comment. Les tontines qu'on ne voit jamais, toi seul tu mets tontine de 10 tontines. Maximum 2. Qui n'est pas d'accord, hein? Peuple gabonais, unis de la concorde et la fraternité. C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité. Tapez les mains pour vous-même. C'est bon le boss? C'est bon?
Continue. Ah, d'accord. Ah, oh non, maintenant, parce que tu insistes. Oh non. Au nom de Jésus. Ouh, Yahweh, Yahweh. Je vois, c'est fort, c'est fort. On va t'appeler. Hein? Oh, Seigneur Jésus. Marie, vous encore, pardon. Merci, maman. Pardon, demain, on n'a rien à faire. Marie, vous encore. Ah non, c'est parce que tu insistes. Oh non. Que le carburant ne finit jamais dans ta voiture. Au nom de Jésus. Là, si mon ex est dans la salle, elle est en train de me briser. Oh, oh non. Ah, le Gabon, c'est mon pays, quoi. Non, je suis fier d'être Gabonais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez. Oh. Mais je passe comment, Seigneur, mon moment de gloire. Je veux aussi aller marier. Oh, merci le boss. Moi aussi, je vais aller marier. Oh, merci. Mes parents, de... oh Seigneur. Je vous condamne à une bénédiction éternelle au nom puissant de Jésus. Le nouveau gouvernement, regardez, ça m'en va vous appeler. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, le Gabon et la France, c'est pas pareil. Le Gabon et la France, c'est pas pareil. Vous voyez, bon. Oh, bien. Parce que tu insistes, oh, parce que tu insistes. Eh, mamie, ne me donnez même plus le cachet, hein, c'est bon, c'est bon. Non, non, être Gabonais, c'est stressant. Être Gabonais, c'est stressant. Vous voyez, la France et le Gabon, on a dit c'est pareil. C'est pas pareil. Oh. Regardez, en France, je sais pas si les mariages ont la coutume, mais bon. Et au Gabon, là, au mariage, la coutume, la poule est là, tranquille. Elle, c'est malade. La France et le Gabon, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Regardez, en France, il y a le verbe être et avoir. En France, on dit tu as quoi? Tu es où? Ça, c'est un. Au Gabon, il y a le verbe tchèt et tchavoir. On dit tcha quoi? Tu es où? Ouais, c'est papa. Là, je suis fier d'être Gabonais. Bon. D'abord, en France, quand tu es bien habillé, en France, Rosalie, on t'appelle. Où quoi? Ah, le vieux, tu veux faire qu'il y ait le vieux l'attention. Les 27 de la mariée sont conviés. Voilà, Alessio, Alessio va revenir. Venir. Donc, je disais, en France, quand tu es bien habillé, un Français rencontre un autre Français. Accueillir la mariée. Les bien habillé. En France, tu écoutes, c'est moi. Messieurs, vous êtes très bien habillés. Hein. Réaction des Français. Merci beaucoup, ces compliments me touchent. Ça, c'est un. Au Gabon, mariage à la coutume. Un Gabonais bien habillé. Aïe, tu es bien habillé. Réaction d'un Gabonais. Ah, c'est rien. Si tu m'habilles, tu ne peux pas. La France et le Gabon, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Oui. Regarde, en France, quand un Français. Oh, ça va, bon, ça va, Macron. Non, quand un Français veut te raconter une histoire, sinon, c'est là où on les dépasse. Un Français te raconte, par exemple, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Un accident qui s'est passé là, un Français te raconte ça, t'écoute. Bien, écoutez, nous sommes tranquillement là au mariage d'un coutume. Lorsque je suis sorti pour fumer une cigarette, j'ai vu une voiture venir en dévalure. Un jeune homme voulait traverser. Elle a cogné, il a laissé le bas côté. C'est mou. Il n'y a pas l'émotion, il n'y a rien, tu n'as même pas compassion. Mais un Gabonais te raconte ça. Un mot pour nous d'indendé. C'est-à-dire, quand il arrive déjà, tu vois les gens, waouh, papa vient raconter. Tu écoutes seulement. Mais Marambora. Waouh, là, lui, Marambora. Voilà, moi, je reviens vraiment de Tibanga pour le mariage de ma petite fille. Quand je suis arrivé au Pongo, les voitures, tu ne peux pas. Okay. Vraiment, le cœur là-bas, d'habitude, je me réveille à Tibanga là-bas 2 heures. Mais là, depuis 4 heures, le cœur faisait que coucou. Je me suis dit, il va voir quelque chose. Quand je suis sorti, j'ai regardé l'enfant là, pis. J'ai dit, moi, bien vite, le crime rituel, la fin d'année, il n'a pas voulu m'écouter. Voici la voiture venue là-bas. J'ai dit, moi, cabioré. La voiture là, connaît que. Oh, il est monté, là, il est tombé, l'océan a fait, les gens te voient. Bonne soirée, c'était la délivrance.